Moi, c'est Charlotte. Je suis étudiante à l'Institut Agro de Montpellier en première année. Je suis aussi dans différentes associations. Moi, c'est Capucine. Je suis aussi étudiante à l'Institut Agro de Montpellier. On nous a parlé de ce projet en parlant d'écotourisme. Et moi, c'est plus sur à ce niveau-là que j'avais des a priori sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. On avait parlé de cabanes dans les arbres, mais j'avoue que je m'étais pas non plus posé trop de questions. C'était un peu, on va voir. Quand on est arrivé déjà, ça fait un petit chemin où c'est vraiment en pleine nature. Donc déjà là, on savait qu'on allait être bien. On a fait la visite de tous les habitats qui étaient en éco-construction, qui nous expliquaient comment ils avaient fait ça de leurs propres mains, en 2 ans chacune, de voir tous les animaux hyper proches. On voyait les cerfs à 20 mètres de nous. Et d'habitude, on ne les voit pas aussi près, c'est vraiment hyper furtif. Là, on est vraiment dedans, quoi. De voir les gens qui étaient proches des animaux, de ce qu'ils faisaient, de leur quotidien, et que ça m'a vraiment inspirée. Pour pas reprendre ces mots, une des choses qui m'a le plus marquée, c'est vraiment l'éco-construction et les matériaux qu'ils utilisaient, pourquoi. La maison des Hobbits, enfin, il y avait la table au centre avec des mosaïques que je trouvais trop belles. Et pareil, les piliers en bois sculptés, ils sont vraiment très très beaux. Par rapport aux activités, c'était hyper complet, c'est-à-dire que c'était de A à Z. On allait avec Mehdi et tout le monde voir les vaches. On a passé un temps à nettoyer et tout, c'était marrant. Et après, on les a traits. Et ensuite, on a pris le lait, on a fait du beurre avec. Enfin, il y avait les étapes qui avaient déjà été faites parce que ça nécessitait de reposer au frigo. Mais c'était vraiment, on passait de l'animal à la traite, du coup au produit, et ensuite direct à la transformation, et ensuite à la consommation. Mais je sais pas, en 15 minutes, on a vu toutes les étapes, mais au même endroit. Et ça, c'était hyper intéressant. Ça peut être hyper flou de savoir d'où viennent tous les produits qu'on mange. Finalement, c'est être complètement déconnecté du réel. C'est on va acheter au supermarché et on ne sait pas d'où ça vient. Il y a souvent peu d'efforts qui sont faits pour justement comprendre d'où vient ce qu'on mange et tout, parce que justement ça demande beaucoup d'efforts, parce que dans les supermarchés il n'y a pas beaucoup de transparence. En fait, choisir le local, choisir le bio et choisir le durable, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Et donc ici, comme ça passe par le loisir, ça facilite et ça peut même rendre amusant cette recherche. Et peut-être que ça peut pousser les gens à l'intégrer à leur mode de vie de tous les jours et pas seulement en vacances. Avec l'écotourisme et ce partage, justement, bah là, le lier à l'agriculture, c'est hyper pertinent. C'est faire passer le loisir, entre guillemets, alors avec la notion d'écologie et de durabilité. On a plus de connaissances sur ce milieu qui nous paraît très flou et qui est pourtant au cœur des enjeux de la transition. Genre, se nourrir, c'est au cœur des enjeux, quoi. Cette rencontre, c'était très enrichissant. Sur le sujet du méthaniseur, en fait, ça faisait longtemps qu'on en entendait parler, beaucoup en école. Un peu dans le flou, enfin ils nous ont jamais expliqué. Et donc c'était beaucoup plus concret du coup, j'ai mieux compris le principe. C'est quelque chose que je soutiens totalement, c'est les agriculteurs qui savent comment construire leurs machines parce que ils savent directement quels sont leurs besoins. C'est leur milieu, c'est leur terrain, ils savent comment gérer. Donc c'est super intéressant et c'est aussi savoir laisser l'aspect technique aussi aux agriculteurs.
Alors, suite au Castelbar, il y a également un commerce solidaire qui est tenu par un établissement médico-social qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler et donc de tenir ce commerce. D'une manière exceptionnelle, je tiens à dire. Ils sont bienveillants, gentils, accueillants, professionnels, donc c'est très agréable. Et l'idée dans ce village, c'est vraiment de pouvoir porter plusieurs valeurs, et notamment l'inclusion, puisqu'on a des établissements médico-sociaux, mais aussi de pouvoir redynamiser d'une manière un peu simple, avec beaucoup d'humilité, mais que tout le monde puisse être inscrit dans une nouvelle dynamique. Le rallye d'écotourisme d'aujourd'hui était vraiment super. J'ai pu découvrir plein de petites communes hyper intéressantes et on a rencontré les locaux, donc que ce soit les habitants ou les socioprofessionnels du tourisme, de l'écotourisme. C'était vraiment hyper agréable de s'imprégner de la culture locale, de goûter les spécialités parce que c'est vrai qu'on a énormément mangé et ça c'était un vrai plaisir aussi. Donc voilà, plutôt que du positif et un vrai plaisir encore une fois de s'immerger sur un territoire et de s'en imprégner tout simplement. Donc s'il y avait vraiment quelque chose à retenir, c'est que l'écotourisme, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on ressent. Et ça, je crois que c'est la dimension la plus importante pour moi. Et surtout, ce qui est vraiment chouette dans l'écotourisme, c'est qu'on redécouvre en fait la France, enfin en tout cas pour ma part mon pays. Et je me rends compte que pendant des années, pour moi, le tourisme, c'était aller voir ailleurs dans le monde et que finalement, je ne connais pas bien mon pays. Et paradoxalement, c'est un des pays les plus touristiques au monde quand même. Donc c'est dommage de ne pas le connaître. Et du coup, cette journée, ça m'a permis de voir un peu ce que faisaient des Français, comment ils vivaient. Et je me rends compte à quel point c'est différent du mien. Ça, c'est un premier étonnement. Et aussi à quel point ces gens arrivent à vivre en harmonie avec le vivant. Ça peut paraître peut-être un peu bébête de dire ça, mais en fait, pour moi, ça me semble vraiment essentiel. Dans le sens où ils se reconnectent vraiment à la vie, à la nature. Typique, le matin, on va aller traire les vaches et faire son beurre pour son petit-déj. Et là, en fait, on se rend compte de la valeur des choses et du goût des choses aussi. En tout cas, à quel point c'est important de vivre ces choses simple entre guillemets, que c'est pas la peine forcément d'aller à Dubaï pour vraiment profiter de ses vacances. Voilà ce qui me vient en tête pour l'écotourisme. Donc juste un conseil, allez-y, profitez et allez voir toutes les belles choses qui se passent pas si loin de chez vous. Aujourd'hui, donc, on a participé à un rallye dans différentes fermes, dans le cadre de Ferme en Ferme. Il y a la ferme Trincali, dans laquelle on a dormi, alors qui est vraiment un petit bijou, à la fois pour le travail qui a été fait et pour l'imagination aussi qu'il a fallu pour créer ce lieu qui est complètement extraordinaire, qui essaye toujours d'allier le confort avec l'écotourisme. Après, donc, il y avait une miellerie, mais on a vu surtout le magasin et des très beaux produits. Et puis une ferme aussi assez extraordinaire, un élevage de chèvres, mais aussi une brasserie avec un exploitant qui a des idées magnifiques, qui peuvent en tout cas être très bénéfiques pour la planète autour de la méthanisation. Alors du coup, ça inspire effectivement sur ce lien qu'il pourrait y avoir entre ce qu'on appelle l'agritourisme, qui se développe de plus en plus, qui est encouragé, parce que pour les agriculteurs, c'est un moyen de diversifier leurs revenus. Alors il faudrait définir peut-être de manière plus précise ce qu'est l'écotourisme pour pouvoir le relier avec agritourisme. Sachant que par exemple, la ferme Trincali, elle vit quand même plus du tourisme quelque part que de l'agriculture. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des modèles de ce qu'on pourrait qualifier d'agri-écotourisme où les agriculteurs vivent davantage de l'agriculture que du tourisme. Il y en a certainement, mais il reste à les identifier et à les trouver.
fait 9 ans que je voyage. Et à force de voyager, je me suis dit à un moment donné, waouh, t'as beau aller partout, est-ce que tu connais finalement en bas de chez toi? J'ai découvert la marche en itinérance. Finalement, je suis parti très loin et finalement, je savais où j'allais. Hein. La marche que j'ai pu faire dans les Pyrénées ou dans les Alpes, ou... c'était des aventures incroyables, alors que j'étais pas très loin finalement géographiquement. J'ai une tente, j'ai... Voilà, vraiment un réchaud et finalement être très, très simple. Il y a des chemins qui se sont rencontrés avec, certains l'ont rencontré, c'est Medina, c'est une velle, donc elle a 3 mois. Et en fait, avec cette velle, j'aimerais faire de la pédagogie, en fait partir vers les écoles et vers les EHPAD aussi, jusqu'à l'Atlantique. Le but, je me suis dit, est-ce que c'est un projet finalement que j'ai et que je vais lui imposer, ou est-ce qu'elle veut vraiment? Et du coup, on se balade dans les bois, on va jusqu'au village à côté. Je cherche pas la difficulté, ça va être le partage avec cette velle, et d'aller faire de la pédagogie, donner finalement un sens plus profond à mes voyages. On est arrivé ici avec un projet effectivement de créer un gîte équestre et aussi de vivre sur une ferme. Donc sachant qu'on était passionné par les chevaux, un peu moins par les vaches, mais c'est venu après. Voilà, c'est un peu le hasard. On a pris une vache parce qu'on avait 5 enfants et on avait trouvé un peu idiot d'acheter des packs et des packs de lait toutes les semaines au supermarché. C'est comme ça que c'est parti en boucle parce qu'on revient toujours sur ce qu'on a fait dans le passé et sur sa jeunesse aussi. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais faire les cabanes. J'allais à la chasse, à la pêche. J'étais vraiment passionné de nature. Le naturel est revenu au galop. Voilà. Et je suis retombé un petit peu en enfance en faisant ces cabanes, en ayant plein d'animaux. Et voilà, revenir finalement à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la nature qui nous entoure et qu'il faut essayer de protéger. Je gère la ferme Trégali, ferme pédagogique, où on propose des hébergements donc insolites et donc en écotourisme, où on met vraiment l'accent sur la préservation de l'environnement et on essaye de sensibiliser notre public. Convaincre les autres. Je commencerai par on dort dans des cabanes dans les arbres, parce que pour moi c'est... Je sais pas, c'est un gros argument. Mais au-delà de ça, surtout on vient et on apprend plein de choses. Même des gens qui sont pas en lien avec le milieu agricole, ils pourraient apprendre plein de choses utiles personnellement. Et je sais pas, ce lien avec l'autre est hyper intéressant parce que c'est hyper enrichissant. Ce que je vendrais, ce serait plus le fait d'être dans un endroit calme, et c'est surtout une manière de voyager où on est posé, on prend notre temps, parce que la tendance avec le tourisme de masse dans les grandes villes par exemple, c'est toujours essayer de faire le plus de choses possible dans le peu de temps imparti qu'on a, et alors que là ça va vraiment être faire des balades, se poser, lire dans ces cabanes qui sont absolument incroyables. Bon, aller visiter des églises. Enfin voilà, des trucs simples, mais qui font qu'on n'est pas non plus à essayer de faire le plus de choses possible en une journée, et juste, on prend mon temps. Et c'est vraiment... Enfin, en fait, je vendrais un repos plus que des vacances intenses. Pour que ça devienne quelque chose de collectif, je pense qu'il faut en parler et partager son expérience. Les gens passionnés nous passionnent. Donc si on a vécu une expérience qui était incroyable pour 1000 points, et bah l'autre va pouvoir s'identifier dans certains points ou non, ou juste écouter et au moins ça existe.